Yo tout le monde, ici Do Alex et aujourd'hui nous retrouvons pour la suite de notre let's play l'intégrale sur Assassin's Creed 3 et ça fait un petit bout que j'y ai pas joué, c'est vrai, parce que j'ai acheté beaucoup de jeux ces temps-ci, dont GTA 5, Chivalry Medieval Warfare et une couple d'autres jeux. J'ai vraiment de la misère à dire Warfare en anglais. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficulté. Et donc, on se relance dans le jeu. Bien sûr, j'ai pas perdu mes bonnes vieilles habitudes. On commence par aller à notre objectif, qui est pas du tout dans le sens où je m'en vais. Ok. Donc, perdu comme je suis, je reste perdu. Vous me connaissez. Quand je suis perdu, je suis pas mal orienté dans la vie. Non, vous en faites pas. Perdu dans le sens que je tombe toujours dans la lune, putain. Et oui, j'adore l'espace. C'est pas drôle, ok. Bon, je vais arrêter de parler aujourd'hui. Ah, hop là. Reste sur le sol. Non. Toi, reste sur le sol. Lol. La gueule. Ah, ça va, là. Tu me vois plus, regarde. Je suis l'homme invisible. Je ne suis pas sûr que c'est un skills, man. Skills. Et où la feuille? Feuille. Où la feuille? Et la feuille. Je sais pas à quoi ça sert du coup les feuilles. C'est un peu de la merde. Ok. On va continuer notre chemin. Hop là. Non, ça va être un épisode un peu plus court aussi aujourd'hui. Disons si on y met 40 minutes, ça devrait être bon. Quelle est notre mission? Et maintenant? On attend le signal. Quel signal? Cette assemblée ne peut rien de plus pour sauver notre nation. Celui-là. Bonsoir, messieurs. Êtes-vous prêts? Non. Que se passe-t-il? J'ai passé la journée à errer d'une folie à l'autre sans comprendre le sens de mes actes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir quelles sont tes intentions. Bien sûr. D'abord, nous allons nous rendre chez Nathaniel Bradley pour rassembler le reste de notre groupe. Puis, nous irons à Griffin's Wharf pour aborder les navires et jeter le thé à la mer. C'est simple, non? Plus simple à dire qu'à faire. Allons, Connor. Ce soir, nous aurons tous gagné. Les Fils de la Liberté vont envoyer un message à l'Angleterre, et tu vas priver Johnson de ses finances. Ton village sera sauvé. J'ai une idée. Pourquoi n'ouvres-tu pas la voie? Ça nous épargnera les mauvaises rencontres. Non? Ouais, parce que moi, je suis un ninja, Carlis. Boston. 16 décembre. Bon sang, d'autres gardes. Nous devons absolument tirer profit de la colère des habitants. Donne l'ordre, Connor, et je m'en charge. Tout le monde ne part. Hey, Québec. Lol. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Est-ce que je pouvais assigner Y l'ancien mission? Confirmé. Ok. J'ai essayé de quoi? Éliminer les gars. Ne perdez pas de vue cette vermine, les gars. Voilà ce que... What the fuck? Ce crétin, elle s'est doucement. Le
là. Les gars, il est là. Ok, vous me faites chier. Non, vraiment, vous faites tellement chier. Meurs, 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 meurs. On perd pas les bons vieux réflexes, hein, les copains. Oh. Tac dans ta gueule. Damn, damn, damn. Damn, son. Hey, j'ai fait trop. Fuck you. Hop là. Brr, 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 brr. Ouh, yeah. Oh, oh. Qu'on fait pour viser, ça? Hey! Est-ce qu'on lui met un bout de shot? Boom! Mais merde, je l'avais fait prendre. Vous voulez mourir, s'il vous plaît. Non, damn, là ça a marché. Damn, son. Dans la gueule. Et voilà. C'est quoi ça? Personne crie, tout le monde est juste. Les soldats! Il faut tenir ces chiens à distance pendant qu'on jette le thé à la mer. Je vais t'aider. Dis-moi ce que je dois faire. Le boucher! C'est quoi ça? Un seul jeu. Ok. Allez, on court. Là-bas. Vous ne montrez pas. Excusez-moi. Je suis en mission. Pas le tas de niaiser. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ça ne sera pas. Qu'est-ce que j'ai fait là? Là, j'ai passé au travers. Quoi. Encore? Ils ont venu encore. Oh what? C'est un bout. Bref. Oh bon. What? Oh shit, y'a un autre point. Okay. Oh bon. Je sais même pas qu'est-ce que je fais des fois dans les combats dans le jeu, c'est là. Tiens. Ça va mieux avec une jugulaire en moins. Ah, je crois qu'il va arriver. Ah, faut jeter du thé, ok. Faut jeter le thé. Lancer objet. Ah, ok. Merde!
lancer de l'autre côté. Sérieux? C'est sérieux? Allez, viens! Par-dessus bord! Par-dessus bord! Par-dessus bord! Vous voulez du thé? Vous en aurez! Du thé, ben oui, du thé, putain de merde! Allez! Et toi, tu fais chier! Boum, 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 boum! Clac, clac, clac! Vous voulez du thé? On va pitcher le thé! Du thé par-dessus bord! Oh oui! Ok, le thé qui spawn. Ok, là, bon, ça. Ok. Tranquille. Ok, c'est quoi votre problème? Non, je pense pouvoir lancer du... Oh! What? J'ai cliqué sur rond pour ramasser le thé, puis le gars il s'est foutu là, un bon moment. Il est là-bas! Là, regardez! Du thé! Non! Ah! Ok, vous voulez pas de thé, vous voulez pas de monter, alors je vais vous tuer. Nous avons réussi! Ah ouais? Cool. On est des machines. Et puis l'autre bas, il y a... Connor! On t'a gardé la dernière. Bruh! Comment ça doit faire mal? Ça fait mal, là. Ça brise son petit cœur. Son petit cœur de templier. Je pense que ça va être ça le titre de la vidéo. Comment briser le petit cœur de templier? La la ta ta ta. Je veux le papier. Le papier. Mon papier. Non. Ah. Papier, c'est chaud. Ok. Voilà notre objectif. Salut. Non, tu me suis pas, tu me voles pas, tu fais rien. Espèce d'enfant attardé qui sait pas parler. Pourquoi les enfants dans le jeu, ils font... Ah-da-da. Je veux dire... C'est pas normal. Je comprends que l'éducation était pas forte, mais je pensais qu'ils savaient parler. Non! Oh! Ciel, ta gueule! L'objectif, il est... Pas par là. Attendez. Il est genre de l'autre côté des terres, à l'autre bout du monde. Alors, qu'est-ce que nous pourrions faire? Nous pouvons aller sur la map et faire un voyage rapide. Ok, c'est parce que... Je comprends. Carte. Elle me fait chier, la carte. Quoi, les touches? Non. Mon objectif, il est là-bas. Domaine. Voyage rapide. Mon nom est Connor. Connor, pas de nom, de famille. Ok, fallait pas j'aille là-dedans. On va sortir. On va aller voir notre ami.
Hey. Hey. Achille, vous n'allez pas bien. Vous semblez songeur. Le soleil est beau, hein? C'est fait. Johnson est mort? Non. Il est parti pendant qu'on détruisait son thé. Pour préparer d'autres horreurs, sans doute. Tu aurais dû le tuer, Connor. C'était inutile. Ça, seul le temps pourra nous le dire, mon petit. Non. Adana Gaiden! Adana Gaiden! Galen Dorgon, que fais-tu ici? Il est arrivé quelque chose? William Johnson est revenu, avec la somme nécessaire pour acheter nos terres. Il parle aux anciens en ce moment. Je les ai implorés de refuser, mais Johnson triomphera sûrement si tu n'interviens pas. Comment a-t-il fait? On a détruit le thé. Sache que les Templiers parviennent toujours à leur fin. Tu aurais mieux fait d'écouter mes conseils. Mon frère, tu dois empêcher ça. Bien sûr. Sais-tu où a lieu cette rencontre? Alors nous allons tuer Johnson. Parce qu'il est vilain, très vilain. Et que moi je suis gentil. Ok, on va aller par là-bas. Par là. Putain de map de merde. Ça va aller ici. Voyage rapide. Confirmé. Regardez, j'ai la hache avec le symbole des assassins. J'ai une plume derrière le bras. Et j'ai une capuche qui me protège de la pluie. Je suis un assassin. Voilà. Ok. Ok. Oh, c'est un direct au village. C'est pas un joueur. Ok. L'objectif, il est par là, en pleine nature. Ok, parfait. Par où on sort? Voilà. Voilà, la fourrure pour les... Yama. Yama. Ok. Biche. Ah. L'ange de la mort. Ok. Oh shit. Non! Ça n'était pas prévu. Ah. On devrait bientôt arriver, là. C'est quand même loin. Hey! Hey! Hey. Ah. Ah. C'est ici que nous arrivons. Hey. Moi puis les murs invisibles.
Le... Hein? Je suis mort? What? Ok, moi je voulais plonger dans l'eau. Et non sur le roc, vous voyez? Oh merde, t'as le cowboy! Ah, gros fail! Epic fail! Bon, moi j'apparais en bas. Salut, toi. Je suis étrange. Toi, c'est quoi? Tu ne me vois plus. Sprint! Hop là, hop là. Hop là. Hop là. Hop là. C'était difficile, ça. La pala. Négociation difficile. Ni nak ganya dala dit kanus de ne Johnson si unja dala rockstar. Kwa hi ganzi wat ne ganun harda dum hage dum. Ta kwa der harda kwa kanto. Je suis ce requin. Oh non, il peut monter. Il peut pas monter. Peux-tu monter là? Non. Fais-tu les cracks, ça monte? Ok. Peut-être pas ici. Ici, là. Ok, voilà. Ninja activé. Des terres, c'est vrai. Des terres qui ne sont pas à toi. Hop là. Nous sommes au courant des expéditions que ton peuple lance contre nous. Reviens ici, toi. Comment? Pas question. Dans nos terres, nous serions unis, oui, mais à jamais tes visiteurs. Faire plus bien, là. And you've fallen. Ouh. Oui. Afin de démasquer le grand traître. C'est une erreur. Il faut signer. Tu ne réussiras pas à nous perdre. Reviens ici, le sourdingue. Reviens ici, le sourdingue. Eh, hey, attends un moment, tu veux? Et voilà. Je dois bientôt pouvoir arriver. Oh oh oh, il y a des gars. Plus de gestes, mon cul, si, c'est plus de gestes, hein.
Hop là. Hop là. Allons, du calme. N'ai-je pas toujours été de votre côté? N'ai-je pas toujours cherché à vous protéger? Non. Si tu veux nous protéger, donne-nous des armes, des chevaux et des mousquets pour nous défendre. La guerre ne résoudra rien. Nous n'avons pas oublié Stanwix, ni la modification des frontières. Aujourd'hui encore, tes hommes creusent la terre sans se soucier de ceux qui y vivent. Tes paroles sont douces, mais fausses. Nous ne sommes pas venus négocier ni vendre. Nous sommes venus te dire de quitter ces terres. Très bien. Je vous ai offert la paix. Et vous l'avez repoussé. Peut-être la violence saura-t-elle vous convaincre. Tu nous menaces? Oui. Vous avez envoyé l'un des vôtres pour me tuer. J'ai bien peur que cette erreur ne vous coûte très cher. Appelez votre chien ou ils mourront tous. Chez Johnson, il s'échappe. Non, tu ne t'échapperas pas, vieille connasse de merde. Wow, allez, moi je fais un plongeon de la mort qui tue. Merde, mon arme marche pas. J'espère que ça va bien, connasse. Wow. Ah non. Mais qu'as-tu fait? J'ai fait échouer tes plans. Tu voulais ces terres pour les donner aux Templiers. Oui. Afin de les protéger. Tu crois que le bon roi George se soucie vraiment du sort qui attend les indigènes de son royaume? Ou que les citadins s'intéressent aux tribus indiennes? Oh, bien sûr. Les colons sont ravis de commercer avec elles, quand ils ont besoin de nourriture, ou encore de vivres pour leurs armées. Mais quand la ville sera trop petite, et que les champs ne suffiront plus, quand il n'y aura plus d'ennemis à combattre, ils révéleront leur vraie nature. Les colons ne feront pas la guerre aux Iroquois. Pas maintenant. Mais ça viendra. Le monde est ainsi fait. La guerre viendra. J'aurais pu l'éviter. J'aurais pu tous vous sauver. Tu parles de les sauver, et pourtant tu les tuais. Oui, car ils refusaient de m'écouter. Et toi, mon pauvre, tu te trompes. Ayawas ne yate hagum sere. Amdahyayun neskanas izagum haje. Les gardes. Vous avez rien vu. Ok. Ok. Négociation difficile terminée. Et donc, les personnages, d'après moi, ils doivent commencer à se poser des questions. Entre quel clan choisir? Les Templiers ou les Assassins? Et ça peut devenir très intéressant. William Johnson est mort, emportant avec lui le plan des Templiers visant à voler les terres de mon peuple. Mais en éliminant cette menace, j'en ai découvert une autre. Il détenait une lettre ordonnant à John Pitcairn de trouver et de détruire les armes et les vivres des Patriotes. S'il y parvient, la résistance des colons s'effondrera et les Templiers s'empareront du pouvoir. Le danger subsistera tant que Pitcairn vivra. Je dois le trouver. Et lui ôter la vie. Comme d'habitude, quoi. Je pensais que j'y verrais plus clair, que j'en serais soulagé. Mais je ne ressens que le remords. C'est une bonne chose. De tels sacrifices doivent peser sur l'âme. Je devais le faire. Pas seulement pour mon peuple, mais pour ceux que Johnson aurait fait souffrir.
Oui, c'est un début. Mais pour nous libérer de l'influence des Templiers, tu vas devoir tous les tuer. Même ton père. Je sais. Penses-tu le savoir? Ou le sais-tu vraiment? On a de la compagnie. Oh oh! Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des ennemis? C'est un appel à l'aide de Paul Revere. Les Tuniques Rouges préparent quelque chose à Boston. Tu as dû faire forte impression sur les Fils de la Liberté. Ils me prennent à tort pour l'un des leurs. Dites à Monsieur Revere qu'il a ma sympathie, mais que je ne peux l'aider en ce moment. Sache une chose avant de refuser. J'ai lu le nom de John Pitcairn. Où dois-je aller? Monsieur Revere habite à Boston. Si vous voulez, je... C'est bien là. Ok, donc, ouais, je pense qu'on va se laisser là-dessus. On va s'en aller à Boston. Et puis, je vais vous dire un bon gros bye-bye après ça. Donc, mon objectif va être juste là. Je vais pour le déplacement rapide juste ici. On y va. Une fois qu'on va spawner là-bas, enfin, je vais vous dire ciao. Parce que j'avais pas vraiment beaucoup de temps pour faire cet épisode, mais ça va au moins faire avancer un petit peu notre histoire. Donc j'espère que vous appréciez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un j'aime. C'était tout Alex sur Assassin's Creed 3 pour l'intégrale. Merci et bonne journée.